Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, avili bien, avili là, soi-disant défenseur droit mounan, Pierre Espérance, qui prend malin plaisir, mandé commissaire pour annuler mandat qui derrière plusieurs mounan, qui en a fait avec la justice haïtienne, dans des causes de nos pays. Eh bien, parmi mounan sa yo, que Pierre Espérance a pris des faveurs pour là, c'est Dimitri Vauban, Sojine, arrêté là, nous va faire tant de causes, pas bon ici. Ailleurs, mardi 18 octobre, là, il y a eu présence plusieurs soldats américains sous frontière haïtiano-dominicaine. Qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ils ont envoyé un message pour bandits en Haïti. Plus de détails, t'as l'air comme ça. Ailleurs, mardi à tout, gagné deux bandits, deux gros bandits, Maozo, qui tombaient en babal, la popo. Plus de détails, t'as l'air comme ça. C'est prince, ça y est. Après, toujours, on va le partager avant, bah, comme pas, dans la vidéo, ça. Qu'on y a pour un petit temps, bah, nous, love, là. Supportez-nous, likez. Abonnez, commentez et de partager vidéo ça. Belle, bonjour, bonsoir tout le monde. Seulement pour un petit temps, descend en bas vidéo. Vous pouvez subscribe, vous cliquer sur le lien, vous pouvez un petit cloche paraître, vous pouvez cliquer sur les trous, vous pouvez trois cloches paraître, vous pouvez premier qui c'est tout, ça devient deux petites parenthèses sous cette vidéo et puis ou correct. De temps en temps, Frère Semyo, et fait la mort et fait assassinat président afin de débattre. Ou bien zombie président Jovenel Moïse a fait négocier parler de temps en temps. C'est l'opération au causé au dossier pour la rue. Et bien, ça qui là, c'est commissaire gouvernement parquet Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, qui prend tout le temps, qui prend sans le matin pour aviler, soi-disant défenseur de l'homme, ou bien cap défendre le droit qu'il y a un seul monde en VIA. Et bien, Mounsa parle de Pierre Espérance. Et oui, c'est le même Pierre Espérance, il a avili maintenant là, bien avili. Commissaire, M. Jacques Lafontaine, fait qu'on est que c'est à plusieurs reprises, Pierre Espérance a demandé pour annuler, pour cancel, pour retirer mandat qui derrière plusieurs mounes qui en a fait, mounes que la justice haïtienne a besoin. En décausé, on est là, il n'y a que ça. Dans affaires de la mounes, soi-disant, et puis, pour la faire Jacob Yvette, marcher matin, midi soir, empêcher les gens de dormir dans la cabane, de empêcher les commissaires de dormir dans la cabane, dans la cabane, pour retirer, pour annuler le mandat derrière les gens parlent, derrière Kokondaili, derrière Patron Lio. Eh bien, selon les commissaires, il y a un monde qui a bien espérance, toujours à faire Jacob Yvette derrière la Kaili, pour demander annuler le mandat qui derrière, c'est Dimitri Vauban, attendez bien, oui. Dimitri Vauban de Sojinaire. Nous connaissons Dimitri Vauban qui était pays. Je venais de faire mon mandat d'un monsieur et était posé scellé sur Kaili à Claude. Bien toujours, business la crié. Eh bien, tu as gagné tout. Fetnel, mon chéri, qui était porté plainte contre Dimitri Vauban, qui a déposé plainte contre lui dans le paquet. Qui donc, tout ça, commissaire gouvernement, à l'époque, tu as mis mandat derrière Dimitri Vob. Donc là, jusqu'à présent, mandat, ça a toujours l'abdomen. Dimitri Vob pas à l'aise, je l'ai pour quand il a pas sur le mandat derrière. Il est rentré, donc a arrêté. Et bien là, raison qui fait, il y a Espérance obligé, non, mandé pitié, mandé pardon, d'entraîner, de friter, kaimoun, de friter, kaimoun, commissaire, pour qui j'en, l'ITK, fait commissaire gouvernement, M. Jacques Lafontaine, rendre une ordonnance en faveur de Dimitri Vob, avec l'autre monde encore, la demander, et grâce pour eux, pitié pour eux, le tri mandat, le mandat. Nous, on va prendre le bon appel ça. En tout cas, nous allons faire entendre. Nous allons dire, c'est mon tort, c'est moi qui ai fait causer. Eh bien, il y a son. Commissaire Matin même parlé dans RTVC, nous allons faire une vidéo ça. Mais avant, rapide vite, nous faut qu'on ait, hier mardi 18 octobre, la presse dominicaine avec la presse haïtienne a constaté la présence de plusieurs soldats américains sous frontière haïtiano-dominicaine. Soldats qui sont dans la ville d'Abon, selon ces frontières, qui sont police frontalière dominicaine, qui fait qu'on est que soldats américains toujours qu'on habitué venir dans bord frontière par c'est une visite routine, visite de routine. Mais il faut connait tout, il faut connait tout, il y a une raison qui cause présence soldats américains hier dans bord frontière par c'est à cause des dossiers Haïti.
à cause de cas Haïtia, oublié Ariel là qui mandait présence une force armée étrangère dans le pays et ça a cuit, ça a bouilli dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça qui fait même soldats américains ça yo débarqué sous frontière haïtiano dominicaine nan nan bon pas dominicain yo pour wè ki jan ça y est frontière ki jan activité yo yé ki jan tout bagay yé ki jan système sécurité yé parce que yo connais on fois force armée a ka entré ta débarqué en Haïti et ben pile bandi pral gen intention pral gen l'idée pour la guéyo pour jeter la caille voisin. Non, yo pa vle ça. Ki donc yo voye message là-bas, bon di yo. J'ai causé yo. Yo pral gen bagay nan men yo si yo pa dégager ou changer métier, déposer zam. Parce que il y a fond façon là pour yo bien garder ki jan sécurité a yé sous frontière dominicaine nan pour pa gen pièce ti passage, ti couloir, ti flip, ti côté même pour bandi mauvais jeu traverser en fois force armée bien militaire étranger yo. Déployé en Haïti. Et puis tout, te gen avec yo plusieurs gros cadres dans l'armée dominicaine ak l'armée haïtienne FADH. En parlant de bandits qui pral gen gros problème là pour traverser kay voisin on fois force armée multinationale ça débarqué en Haïti, et ben gagnen deux bandits maozo de gros soldats qui fait partie base 400 maozo fam semyo qui brèd le bouchio qui blessé mortellement tant que gens la police remendil. Mais deux bandits qui tombaient dans affrontement avec la police. La police, la propos qui était sans pitié pour eux, qui n'a pas de place encore pour mettre les bandits. Et sans pas de temps là, ils ont gagné ces deux bandits. Non, deux bandits, c'est Gaddafi Angelo, regardez bien Gaddafi Wunoui, Gaddafi Angelo, Aka Chulson Bredelus. C'est deux malfrats qui font partie de base 400 maozo qui tombaient en babal. La propos sous tabac. Parlier, gagne yon cousin Mika Bren, que bandi Axam te kidnappé, non c'est Frédéric Dupour, et selon sa vie connaît, c'est ta cause kidnapping ça, qui te bouleversé, qui te tracassé Mika Bren, qui te même qui ta cause, li pété la ville, ça c'est une cause yo. Et bien là, comme c'est une bonne nouvelle, Frédéric Dupour, après un pile mobilisation, plusieurs secteurs là, t'es mobilisé, t'es essayé sensibiliser bandits pour te libérer Frédéric. Et bien, bonne nouvelle, Frédéric, hier soir, fini par joindre libération. Est-ce que vous payez? Est-ce que femme et rançon? Ça pas important, ça qui est important, c'est libération Frédéric Dupour. Kounia, frère monsieur, mieux moment arrivé pour une faute de commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, qui a vili, qui a porté gros accusations, qui dénonçait soi-disant défenseur de l'homme, Pierre Espérance, qui n'a pas dit, qui n'a fait chien à pied, marché, Kaili frité, Kaili, matin, midi, soir, pour mandel annuler, retirer mandat. Qui derrière plusieurs monde que la justice haïtienne qui a besoin qui en a fait avec la justice. Eh bien, parmi on sa yo c'est Dimitri Vob. Et parmi dil kounya la en attendé commissaire et bienzin pour aller courir dans la République. Là sous Jim Studio, pas oublier liker, commenter, abonner et de partager. En attendant non, commissaire Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine.
ça que RNDDH, bon, à travers, comme c'est Pierre Espérance qui figure là, donc RNDDH, Réseau National de Défense des Droits Humains, et dans un commentaire et conclusion et rapport, il parlait de condamner, et bien, commissaire gouvernement a parlé de où qui a proposé des actes d'interférence à dossier. À moins d'où ça dit ou qui ça? Ok, d'accord, je réponds à cette question. Écoutez bien, attendez, moi, c'est un dossier, je suis le chef de la poursuite. Comment on peut parler? Bon, moi, c'est ça, son paresse cérébrale, son paresse intellectuelle grave. Pour nous, on a dit que nous avons fait interférence. Non, c'est comment? Vous nous avez dit le dossier. Nous, c'est un dossier lié. C'est mon chef poursuite. Il a dit interférence, c'est si nous avons posé leur acte. Il a consensus sens, ça lui a. C'est si nous avons posé leur acte, lorsque nous s'arrêtons après ce soir dans la cabinet d'instruction. Ok? C'est mon bail, délégation des EBJ. C'est mon bail, mandat par un RI, agir là pour l'instruire. Donc, c'est si nous avons posé acte, lorsque nous s'arrêtons encore dans la cabinet d'instruction, il était arrêté par interférence. Même quand ils sont paresses, spectaculairement grave, que M. Atta fait là pour dire, m'a posé acte d'interférence, là, dit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas aucun contenu juridique, il n'y a aucun base légal, là, bien là, comme on a fait pour dire acte d'interférence à dossier, ça veut dire. Vous avez mis un dossier, vous m'avez interféré dans le combat, vous allez même. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens du tout. Du tout, pas de sens. Et moi, c'est ça, le revers demain. Commissaire, est-ce que jusqu'à présent, ou même, vous sentez que pas grand rien qu'on a reproché tête dans quatre dossiers? Ça parce que n'a parlé toujours du rapport. Et dans la dernière conclusion, dans point 3, et RDDH souligne la nécessité pour enquêter sur le comportement ou dans le dossier. Ça tout, même pour que tu aies enquêté, ça n'a pas cité sous son gagné comme patrimoine. Oui, écoutez, ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la foutaise. Écoutez bien. Ça permet de faire l'argent, il y a des bagues en fait. Oui, attendez, non. Et vous n'avez pas dit ça au d'accord? Ou même tout journaliste, je dis, moi, quand on dit, le fait qu'on lit le rapport seulement, c'est combien de choses, bah oui. Ou quand on est l'église, ça. Ou quand on est l'église, le fait qu'on pose une question, ça. C'est combien de choses, bah oui. Ou quand on est ça, oui. Donc, on est ici, c'est tout dans la bouche. Mais ma vie pour l'espérance. Sous-président Jovenel Moïse, l'homme de commissaire sous-président Jovenel Moïse, dans le dossier social, le premier personnage public qui était venu me rendre visible, qui vient la paix, moi, il s'appelle Pierre Espérance. Il était venu la paix, moi, pour demander de me soucier à Mandayo. Il est venu à la caille, il est venu à la ça fait 3 ans et demi. Là, ça devient la caille, ça fait 3 ans et demi, il me dit non. C'est un dossier d'État, je ne suis pas capable de bailler. Donc, après, on a défendu droit ou pas devant, qui de droit. Et que maintenant, aujourd'hui, après 3 ans et demi, il y a 1 an et demi en démission, dans 3 ans et demi, on a 2 ans pour me donner son patrimoine. Donc, dis lui même pour lui-même, quand il travaille. Mandez-vous, s'il vous plaît, où ça il a travaillé dans quel secteur public ou privé? Il a travaillé pour tenir machine, une machine, deux, trois machines, un caille, deux cailles, trois cailles. Qui peut être là pour faire? Donc, il faut pas poser des questions sur le monde qui a posé des questions sur le monde. Donc, il faut être capable de faire des demandes reconventionnelles. Donc, il y a un droit pour me produire une demande reconventionnelle. Mandez-moi, je me dis, qui compte être travail tous les mêmes pour faire ça? Si vous voulez le compte capable à gérer là, oui, c'est ça les mêmes. Quand même de dossier qui... Oui, il s'agit de cela. C'est parce que le PHS te demande ma bille, c'est honteux, ma bille, ma bille, je dis là. Ma bille, parce que c'est honteux pour moi, ma bille, mais ma bille. Ma prétire dans homme d'état, moi, maintenant un vieil homme là. Maintenant un vieil homme là pour me dire, c'est honteux de le dire, mais ma bille quand même. Il y a ce moment même pour me dire, classé 108 dossier plainte, et monsieur, mon chéri, t'es porté contre lui, dans le paquet, qui dit que c'est un gang, qui dit que l'Iguéen, il est dans gang, et il est tenté trois fois pour t'assassiner. Je dis, non, Pierre, ce sont des accusations graves, gravement graves, c'est au même pour qu'elle défende quête ou pas devant le juge, un juge d'instruction, mais même pas classé 108. Mais ça me dit comme réponse. Et depuis là, ça. Commissaire, qu'on dit l'autre là. On prend une déclaration faite là, qu'on dit l'autre là. Non, ça me doit être salé, oui. Ça me doit être salé, mais je suis témoin pour ça. Je suis témoin pour ça. Non, mais qui sont faits. Parce que là, c'est son. C'est grave quand même pour ta oser vivre de ça. Mais sont faits comme autorité ou même. Quelle réaction? Il parti non, plainte. Ok. Mais monsieur, il n'est pas capable. Parce que. Monsieur Phelps. Allô? La communication. Commissaire Babanouélo. Commissaire, dis pas où l'important. Babanouélo encore. Commissaire, parler là. Communication vraiment. Pour nous comprendre le rapport, n'a pas parlé là. C'est sous dossier qui implique l'église épiscopale là. Donc on est dans le dossier cargaison ZAM que y a été joint dans l'aéroport. Pas l'aéroport, mon Dieu. En douane? En douane, pas au Brest là. Donc il y a des gens qui ont arrêté et il y a des gens qui en cavale. Donc, Père Désiré et. Il a déjà besoin de venir. Et il y a un DDH qui se sont rapport et il y en a et reproche. Il fait un rapport, ça c'est sous commissaire gouvernement, que je ne dis pas comprendre comment même.
et on a des arrêts, des actes d'interférence. Commissaire, essayez les noms parce que vraiment, je ne suis pas capable. Je suis capable de protéger. Pour capable protéger les gens dans le dossier, ça, et puis à l'expérience, Pierre Espérance. Non, mais même RNDDH, c'est RNDH qui sortit enquête là. C'est vrai que l'on dit RNDDH ou Pierre Espérance. C'est les secrétaires. C'est l'institution, c'est l'organisation. L'ensemble de compétences. Oui, on a venu tout à l'heure avec de l'autre information qui est dans le rapport là. Mais on a été connu sur. En tout cas, accusation, ou, en tout cas déclaration faite qui est pour avec Pierre Espérance, on dit qu'il était demandé pour que au classer sans suite les plaintes Fednel Monchéri. Moi-même demandé comme autorité qui était réaction. Oui, puisque ça, son reclage à la justice. Nous ne sommes pas en train de nous recevoir. Je ne peux pas agir de cette manière parce que l'accusation peut être contre grave, il est suffisamment grave pour qu'on devons juger. De fait, nous avons déféré dossier hors devant le cabinet d'instruction. Ils répondent déjà à la question juge là, non? Non, mais dans ça, c'est au juge, pas vrai, saisi du dossier de. Baronnet a cette tête là, parce que vu que nous connaissons cette en bas, nous avons quitté en bas une pression bandit, et que par la suite, voilà, je vous dis, problème de sécurité, manifestation partout dans les rues. Donc le cabinet d'instruction par rapport à fonctionner après rapidement. Donc en cette phase, nous parlons qui a qui posé la main. Moi, pour ma part, nous avons déféré le dossier à notre cabinet d'instruction. Et là, c'est en face. J'ai le téléphone et qu'elle dit en face. Ah, ok. Elle dit, nous parlons dans le téléphone et elle est en face pour tout ça. Oui, je ne connais pas, moi, ma paye. Elle dit, monsieur, non. Elle dit, non, c'est non. Je t'ai persisté pour classer ça. Je dis, non, ma pas passé. Et voilà la raison pour laquelle je suis parti en guerre. En encore. Et moi, je n'ai aucun monde pour protéger le dossier. Ça. Mais aucune personne. Mais aucune. Et toutes les personnes importantes qui impliquent dans le dossier, il y a un acte de poursuite qui est en retard. Et que vous ne sommes pas la règle de l'Union, la vie des États-Unis. Et que je parle territoire ici et me poser un coup contre lui et demander des CPJ pour lui étendre la délégation de Bayoua jusqu'à Interpol pour capable faire pour je réponde de ça au prochain. Et que je aucun monde pour la donne. Et je aucun monde, mais aucun monde pour la donne. Et moi, vieille dans ça. Ok. Pierre Espérance, on va parler là. Donc, c'est responsable RNDDH qui a pris le gros dossier, les traités. Et c'est la première fois ça arrivé pour le fond, on demande. Comme ça Ah, pas la première fois. Tout le monde, c'est un avocat. Non, mais est-ce qu'il faut qu'on fasse des demandes, on dit. Anormal, impensable. Il m'a demandé la guerre, il m'a demandé la femme là, il m'a demandé pour me déclarer son dossier, il m'a dit non, je ne peux pas. Donc vous êtes tout le monde qui s'est demandé, tout le monde qui s'est seulement, c'est demandé, demandé. Ok? Commissaire Lafontaine. M'a dit l'autre encore, fini, je ça. Ok. M'a dit l'autre encore. On fond quitter et Pierre Espérance sous côté, on a allé dans le rapport là, RNDDH produit à sous dossier épiscopal là. Et dans le rapport ça, RNDDH reproche deux bagailles fondamentales et nous allons laisser garder ça avec vous. Pour voir là, il reproche que. C'est vous-même, comme commissaire gouvernement, qui recommandez propriétaire conteneur ou avocat. Il a parlé là de maître Demesa. Comment dit-on? Dans le rapport, là, nous avons point 86 rapport. RNDDH reproché ou quelque bagage, moi, je prends deux là-dedans, je me souligne et je me remets des commentaires sur ça. Et premier élément, c'est que il reproché ou comme monde qui t'a recommandé propriétaire conteneur ou avocat. N'a pas parlé là de maître Demesa. Alors que c'est commissaire au gouvernement qui a pris la décision. Mettez votre patience. Deuxième bagaille, et RNDDH reproché ou. N'a pas venu sous pause là, et Marc Joël. Deuxième bagaille, RNDDH reproché ou. Alors que dossier a été devant cabinet d'instruction ou même ou continue à mener l'autre enquête parallèlement. Là, m'a parlé en fonction du rapport RNDDH là. RNDDH allait plus loin pour dire que. Ou mettez focus là sur l'église épiscopale, il y a des gens qui clairement identifié qui ont un rapport avec colis ça, avec conteneur ça, pas jamais vu sur eux. Réaction. Oui, ok. Mais qui a pour l'église? Est-ce le Baden non? Pas identifié. Par exemple, c'est le Baden non. Oui, c'est pas ça. Non, et pas Samdoula, je réponds la question déjà. Moi, nous, que le Baden vivant en pied étrangère, nous avons un acte de la CPJ Mandel pour tout ce monsieur, en pied étrangère étant. Donc, comment on a monsieur? Comment on a fait une chose et son contraire à la fois? Comme la protéger en même temps pour ma possibilité, bah, on va y sortir. Deuxième chose, vous dites que moi, je vais me mettre avocat. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. J'explique que c'est le cabinet de mes aronales qui n'a pas eu le goût d'aller. De mes c'est mon cousin. Je dois l'avouer. C'est mon cousin. Nous sommes petits frères ou sœurs. Maintenant, pour l'histoire, pour la vérité, moi, je suis le cabinet de mes arts deux mois avant de démissionner en 2020. Le bureau côté de l'IA, je vais me mettre encore. Pas une seule fois, je ne passe pas dans le bureau, ça, du tout. Deux fois, deux mois avant de démissionner.
Bon, comment vous pouvez pas comment vous pouvez pas avocat? Bon, monsieur dit que sur le téléphone, le réminé d'avoir relevé. Ah, mais mes téléphones sont là, je vais changer de boîte, je vais changer de signe. Ah, mais qui remet l'enquête sur le téléphone pour est-ce que le réminé d'avoir relevé? Ah, bah, on va dans le monde, c'est plus, oui. Est-ce que le réminé d'avoir relevé, vous dites que ça me fait problème là? Mes téléphones là. Ok? Donc, mesdames, on me dit, je répète, monsieur, je n'ai aucun monde m'a protégé dans ça. Et que de premier acte qu'on pose aujourd'hui, pas vraiment. Deuxièmement, nous, chaque cabinet d'institution, vous pouvez tout cabinet d'institution déjà, en partie. Donc, pas rien, ma femme, pour la dame. Ok, pas rien, pas rien, non? La faute et l'effet 8 heures, nous allons observer pause là, mais pourquoi aller nous avons une dernière question qui permet de tout conclure avec question Pierre Winel Wenia, parce qu'il y a des gens qui toujours mettaient à voir où sont gagnés depuis lors de notre job là, et nous avons retourné là-dedans. Les commissaires nous ont dit que pendant plusieurs fois, il y a des gens qui mettaient en doute sont gagnés comme avoir, sont gagnés comme patrimoine soulevé depuis lors dans job là, et plusieurs fois gagné des dossiers et qui viennent sous table là, et il y a des monde qui associé à des actes de corruption comme monde qui t'apprend comme il y a des paroles qui parlent dans question terre, n'a pas parlé dans dossier Blanchard, et Pierre Espérance vient là dans document là en DDH dit comme ça que faut que tu aies une enquête là sous patrimoine. Donc, nous t'en vivons de matin, hein, pour qu'ils soient pensés à chaque fois qu'on dossier, il y a toujours à tirer des flèches. Est-ce que vous avez raison pour ça selon vous-même? Je vous réponds. Je vous réponds que ce n'est pas un peu de monde qui fait qui dit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un peu de monde qui dit ça. Et c'est un peu une ou deux monde. D'accord? Donc, ça c'est une deuxième chose. Nous n'avons aucun rapport à Blanchard Bia. Aucun rapport. D'accord? Aucun rapport. Vous parlez de questions terre. Écoutez, monsieur. Mais seulement à démission, oui. Ok, maintenant ça c'est où? Mais il y a des gens qui ne travaillent pas à aucun côté. Il y a un secteur public ou privé, il y a des caries, il y a des machines, une machine, deux machines, trois machines. Il y a des comptes, des gros comptes. Pour ça, parce que, alors, comme si on professionnel même, ça prend. C'est pas que vous mangez poussière terre, ou un couleur, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boulette. C'est dans le fait de boulette pour décapiter tout le temps. Vous mettez le dehors, jeter sur la voie publique, rendre lisse, les plis, chemise, les plis. Hein, comme on parle qu'à boulette. Mais pour ce qui est à l'école, pour son monde professionnel dans le pays, pour le manger terre, pour le manger poussière, pour le temps à pont, pour le pouvoir jouer, pour faire un gagner 5 000, 10 000 dollars, haïtien, je ne vais pas comprendre ça. Oh, ça nous conseille. Je ne vais pas comprendre ça. Donc, je dis, même ma fille pour vous, directeur, avec phrase là. On fera toujours les hommes droits, mais les tordus, généralement, on les laisse tranquilles. On frappe toujours sur les hommes droits, mais les tordus, généralement, on les laisse tranquilles. Alors, comme si moi-même seulement, alors c'est moi seulement qui fait objet de critiques dans le pays, comme commissaire passé dans la page de presse. Alors, il y en a qui depuis bon passé, ok, d'accord, pas bon. Parlez de depuis bon passé, qui passe derrière là, enfin, ouais. Donc, tout ça va en parler au mal, j'aimerais parler mal là. Hein? Tout ça. Donc, les détracteurs frappent toujours aux portes des gens de bien. Les commissaires, qui sont, en tant que commissaire, pour qu'ils ne soient pas portés plainte. Si vous êtes détracteur, ça, pourquoi ils ne sont pas portés plainte contre vous? Mais vous n'avez pas plainte. Vous n'avez pas plainte. C'est parce que vous n'êtes pas capable de juger parti à la fin. Hein? Mais on ne peut pas plainte. Ça va venir de toute façon.
Je ne vais pas agir, je parti pour le commissaire gouvernement. Si je porte plainte, c'est une diffamation liée. Donc, je vais plainte. C'est moi encore qui prends la citation. Ok? Et je vais suivre la citation. Et que je ne vais pas agir, je vais partir. Mais pour quelle raison je vais porter plainte? Même il y a un jour viendra où je vais prendre le téléphone. D'accord? Mais attendez bien. Attendez bien, mon ami. Quand tout le monde n'est pas dit, sénateur, la tortue, il était accusé de tout, diffamé non, à certaines époques. Non, mais c'est poursuivi. Il était poursuivi, il était gagné de cause. Il était dédommagé à un somme assez important comme ça. Un somme d'argent important. Et tout le monde s'en va là. Je ne sais pas, tant pis, nous faisons. Moi-même, journaliste, je dis. Commissaire. Attendez un moment. Et pas un peu de journaliste, c'est journaliste. C'est mon ami Cro, etc., qui a fait comme tout le monde. Mais tant pis, les gens, c'est ça, c'est la vérité. C'est pas la vérité. Dans quelle clarification? C'est pas professionnel, vrai? C'est pas professionnel. Et pas comme monsieur le Giovanni Michel, cap fond de là, mais je Pierre lui, sommet sur là, pour être devant lui, sommet sur la conditionnel avec lui. D'accord? Donc, on joue à Vini, pour que tout le monde apprend, mais pour qu'on dise ça, on veut laisser mon accord. À Vini. Dans quelle clarification, est-ce qu'on peut une clarification pour nous sur le dossier Sergo Persévérance, que vous avez indexé au commun qui t'apprend en somme de 10 000 dollars américains? Dans quelle clarification, là, est-ce que tu as une clarification sur le dossier Sergo Persévérance là, que tu as accusé au commun qui t'a pris environ 10 000 dollars pour libérer? Non, mais pas ça le dit. Vous n'avez pas bien lu le rapport. Le rapport ne dit pas ça. Le rapport dit que Demeza Rodal prend 10 000 dollars. C'est pas moi qui prends. Ok? Donc, et puis, deuxièmement, et que nous libres, nous n'avons pas dit ça. Mais c'est moi-même prêt. Bon, on a passé. Bon, maman, bon, bon, prêt moi-même. Je suis prêt chaudia pour ma démission. Je prends ma démission chaudia. Et pour faire la tête sur moi, et pour la connaître, qui est ce bandit de l'eau là, c'est pas de prendre. Ok? Pourquoi? Je prends ma démission. Tu l'as parlé vrai ou bien? Mais lui-même, non, il m'a demandé Pierre Stéphane. C'est Pierre Stéphane qui fait rapport à Mandel. Mais lui-même, il faut la démission et tout. Parce que mon cher dit dans le temps. Mon cher dit la gang, faut affermer RNDDH, faut affermer les droits humains. Parce que mon cher dit la gang. Mon cher dit, monsieur la gang. Mon cher dit la gang, faut affermer les droits humains lui-même. Mais c'est dit la gang dans son accusation, tout. Donc on est arrivé à la justice pour prouver ça. Mais c'est ça, vous-même, mon guerrier, c'est ça, vous-même, oui. Et pas, on dit, monsieur la gang. Et pas, Pierre, mon cher dit la gang. Il t'a fait assassiner trois fois. Et le mandat, nous, comme de fait, pour placer le policier sur le niveau. Mais non. Voilà. Donc, je vais rappeler un peu dans les choses encore. Donc, à nous-mêmes, vous mettez l'enquête et l'investigation dans le journaliste. Nous avons dit est-ce qu'on demande 10 000 dollars si nous avons la dette moi-même. Oui. Non, mais est-ce qu'un avocat, qui c'est Ronald Demeza, c'est lui demander 10 000 dollars pour. Non, pas. La droite, même, c'est le rapport d'il. C'est oui, le rapport là, oui. Mais c'est vous, rapport. Deuxièmement, je ne connais pas. Je ne connais pas l'avocat, c'est le policier, pas vous, c'est l'avocat. Je ne connais pas l'avocat. D'accord. Et pour le sous général, là, vous avez parlé le matin là, parce que moi, je vous dis que 10 000 dollars. Non, c'est fini, je ne vais pas parler de ça encore. Ok. Je ne vais pas parler de ça encore. Ok. Eh bien, merci.